multitude. Et il plaide pour la cause du peuple. Il n'y a pas d'intercesseur qui va auprès du Seigneur qui dit réprimande-les, réprimande-les, réprimande-les. Les véritables intercesseurs, merci pasteur Frédéric, se mettent dans la peau du peuple. Ils ne vont jamais trahir le peuple devant Dieu. D'ailleurs, Dieu est mieux informé que l'intercesseur au sujet de son peuple. Qu'est-ce que tu peux apprendre à Dieu? Qu'est-ce que tu peux apprendre à Dieu? Faut-il que tu rappelles à Dieu que l'église a péché? Non, frère. Faut-il que tu rappelles à Dieu que le frère a péché? Non. Faut-il que tu rappelles à Dieu que la nation a péché? Non, frère. C'est le devoir qu'on fait lorsqu'on est dans la nation. Mais lorsqu'on va devant la face de Dieu, on a la tunique de l'intercesseur. On pleure pour la nation. On pleure pour l'église. On pleure pour les frères et les sœurs. Mais nous avons aujourd'hui une caricature d'intercesseur qui vient rappeler les péchés du peuple à Dieu. D'où est-ce que nous tirons cette image? Hommes et femmes de Dieu, d'où est-ce que nous tirons cet exemple? Moïse a dit, si tu ne leur pardonnes pas, il est préférable que mon nom soit effacé du livre. Et si nous voulons exercer une forte intercession, une véritable intercession, j'ai vu Abraham commencer l'intercession dans son milieu familial. Lot était son neveu. Comment tu laisses la famille qui est en douleur? Comment tu laisses la nation qui est en souffrance? Comment tu laisses ton ménage qui souffre? Et tu veux prier pour... Ce n'est pas normal, frères et sœurs. L'intercesseur commence à ses propres pieds. Il commence là dans sa propre maison. Et ce jour-là, c'est pourquoi je parle d'égoïsme spirituel. Abraham est en train de plaider parce qu'il y a son neveu Lot. Frères et sœurs, et Abraham est en train de... Si Lot n'était pas là-bas, ça devait être difficile qu'il intercède. Il sait qu'il s'agit aussi de son sang. Il sait qu'il faut que Lot soit délivré pour que le monde soit gagné. Frères et sœurs, si tu es un intercesseur, si tu aimes intercéder, commence à intercéder pour ton père, commence à intercéder pour ta mère, commence à intercéder pour ta femme, tes enfants, tes amis, là d'abord, dans la cellule familiale d'abord, avant que tu ne sortes. Homme de Dieu, cet évangile a complètement été renversé. Nous allons très loin, nous allons très loin. Nous avons des sujets extraordinaires, internationaux. Mais le niveau national est abandonné. Le niveau régional est abandonné. Le niveau familial est abandonné. Mais ce soir, je viens pour t'encourager. Amen. Ce soir, je n'ai pas la responsabilité de te condamner. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que j'ai été établi. Je suis établi pour exhorter. Ce soir, voyez, je vais finir par une histoire. Et cette histoire, tu la connais peut-être mieux que moi. Je te prie de m'écouter avec soin. Tu peux même laisser des cris, il n'y a pas de souci. Vous aurez le support. Je sais que depuis 3 jours, il y a des intercesseurs ou des personnes qui voient leur ministère d'intercession être coupé. Avec tous les enseignements qu'on a donnés, il y a ceux qui sont rentrés au dedans d'eux-mêmes et qui se disent, je ne suis pas intercesseur. Il y a même des intercesseurs qui sont en train de refuser leur poste après avoir écouté toutes ces choses. J'ai vu justement Jean le Baptiste dans Jean chapitre 1er 29 présenter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au matin de son ministère, alors qu'il était en train de rendre ministère, il était en train de baptiser. La Bible dit, il voit Jésus s'avancer et Jean le Baptiste qui avait reçu de Jésus le témoignage par l'Esprit de Dieu va présenter Jésus-Christ comme étant le Messie qui devait venir. Mais il a vécu des choses qui l'ont amené en prison. Comme ce soir, il a vécu des choses qui l'ont amené en prison. Et Jean le Baptiste, qui avait au matin présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'est trouvé désormais en prison.